comment un chrétien qui a en vie équilibrée. En vie équilibrée. Nous avons rempli le bagaille concernant la vie chrétienne équilibrée. Mm. Nous terminé ensemble avec lui, nous avons un l'autre sujet, mais entre-temps, nous parler autour de, de la loi des 10 commandements. Les 10 commandements, nous parlons de qui s'est comprendre de 10 commandements. Et comment les vignes, peut-être nous capables d'agir, d'élaborer autour de, et de la loi en général. Et puis, pour nous parler de sabbat, pour nous capables de vivre dans le premier jour de la semaine que nous adorons. Hein? Parce qu'il y a un de monde jusqu'à présent qui est confusion et concernant le premier jour qui fait nous adorer le premier jour. Nous avons bien pour nous capables de vivre dans tout ça, dans l'intervalle quelques, quelques dimanches après-midi. Mais entre temps, nous prions pour nous et à parler concernant les dix commandements que bon Dieu te bâille à Moïse pour lui te à Israël. Nous prions, bon Dieu. Seigneur, nous te remercions pour grâce. Merci du fait que vous accompagnez nous pour nous passer un bon moment dans la présence matin matin, dans le temps plein. Nous vous ou nous prier ou nous vous des messages par nous aussi. Merci parce que vous accompagnez nous pour nous retourner après-midi. Il n'y a pas parmi nous qui n'est pas capable la matinée, mais après-midi, nous sommes présents pour nous suivre la thérapie ensemble, mais aussi pour nous aller adorer et pour nous capables de enseignement parole. Nous prions capables d'accompagner chaque frère, chaque soeur qui est déjà présent. Et ce qui est la route, c'est que nous devons accompagner pour arriver à destination, de façon que nous capable capables de passer un bon moment en présence. Nous prions espérer que au café au-delà de ça que nous pensé. Ce pas que nous mais nous dans Jésus-Christ. qui si au siècle des siècles. Amen. Nous eu une grande période de temps dans la vie, non. Quand nous de culpabilité, nous sommes Ou du moins, nous confusion et face à question la loi que et quelques adventistes nous étaient bien ensemble avec nous et à penser nous et si nous ne pas bien fondés dans l'évangile si nous ne pas bien ancrés nous sommes capables d'abandonner pour nous joindre parce que nous avons juste comprendre... que la loi où tu as pensé c'était un enseignement normal que nous as et c'est normal pour un chrétien qui observer la loi tu même rentrer' dans l'adventiste mais avec le temps je viens faire une étude personnelle et je joue une vérité que je joue et je tenu à partager la vérité avec moi. Je commence à partager avec moi et je le L'autre dimanche, avant de rentrer dans le sujet que nous avons annoncé, qui a rapport avec les malédictions e ancestrales, les malédictions familiales. Nous pour nous parler de Yo, mais nous avons entretenu entretenir autour de question de des dix commandements que l'Adventiste tellement Yo tient à dix commandements, Yo fait des pancartes, Yo mette dix commandements là-dedans, Yo distribue à travers le monde pour monde capable observer tout le monde qui a observé dix commandements. Or à nous à qui est-ce que bon Dieu a bail dix commandements? Uh, nous parler aussi de chaque commandement séparément. Nous fait un briefing sur Et nous sommes capables de faire un petit Particulièrement le sabbat. Nous avons fait autour de sabbat parce que c'est lui qui met la confusion dans notre tête pile fois. Pour nous connaître, nou ce que nous devons adorer dimanche ou bien ce que nous devons adorer samedi. Je suis capable de faire une Bible avec nous, ou bien soupagné la Bible, ouvert téléphone téléphone. C'est dans Exode, chapitre 20. La semaine passée, nous avons parlé de grandes parties de la Bible. La Bible est quatre parties. Et si nous n'avons quatre parties, nous voulons quatre parties. Et nous avons la première partie, c'est Il y a cinq livres là-dedans. C'est Genèse, Exode, Lévitique, nombre de théonome. Donc, nous sommes capables Bibou dans Exode, deuxième livre, dans le dans le livre de la loi, que Moïse écrit. Je le préambule, pour nous. là, c'est une sorte d'introduction que Dieu fait en le texte, qui parle des dix commandements. Il dit, alors, Dieu prononça toutes ses paroles en disant, je suis l'éternel, ton Dieu, qui t'ai te, qui te, qui, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Et puis, il le premier commandement tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, etc. Qui s'en est dans le préambule Premièrement, bon Dieu identifié. L'identifié, il dit moi, c'est l'éternel, bon Dieu Paola. L'Éternel, bon Dieu, Paul, et c'est moi-même qui t'ai fait sortir d'un pays Égypte, dans de la servitude. Question que va poser c'est qui peuple bon Dieu te faire sortir en Égypte, dans la servitude. C'est Israël, est-ce pas vrai C'est les Juifs. Donc, si c'est les Juifs que bon Dieu fait sortir en Israël, en Égypte, donc la loi, ça, bon Dieu, baila, il va, il y a tout le monde. Mais il y a une loi à la nation d'Israël. Il y di a 10 commandements à la nation d'Israël. Ces dix commandements, ils sont directement là, sortis dans verset 3, jusqu'à dans verset 17. De verset 3 à verset 17. Je ne pas de temps pour me les 10 commandements pour nous, mais je continue à élaborer autour de questions. question. C'est Exode 20, verset 1er jusqu'au verset dit que l'Éternel lui 10 commandements à la nation d'Israël. Maintenant, d'ailleurs, on a parlé des 10 commandements, on l'autre texte ensemble avec vous. Et texte ça, c'est exactement le texte lui-même qui parlait qui ça la loi 10 commandements lui représenter dans relation bon Dieu ensemble avec Israël, ensemble avec la nation d'Israël. Qui ça la loi les représenté dans la relation bon Dieu avec la nation d'Israël. Maintenant, on tourner je toujours dans le livre Exode, là, chapitre 31. Exode chapitre 31. Et c'est là, qu'on a Et qui ça, la loi, les représente dans la relation bon Dieu ensemble avec Israël. Songez bien, bon Dieu identifié, il dit, c'est moi-même qui, bon, loi ça. Et c'est moi-même qui t'ai fait sortir dans le pays Égypte, là, dans la servitude, dans l'esclavage, et c'est moi-même qui ai dit ce commandement ça pour capable observer. Maintenant, Exode chapitre 31, et verset 12 jusqu'au verset 18, bon Dieu montre qui ça la loi lui représenter dans la relation ensemble avec le peuple Israël Je vais texte pour nous pendant que nous garder ensemble avec moi. Dans verset 12, il dit, l'Éternel parla là. À Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et dis-leur Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ça c'est, ça a quelque rapport avec sabbat directement. Mais nous essayons pour un ensemble avec vous avant de retourner dans le commandement. Il dit comme ça que 10 nations d'Israël ne peuvent pas observer le sabbat. Il dit que le sabbat, c'est un signe entre moi-même et descendants sur Yo avec l'Éternel. Dans verset 14, il dit, vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera, sera puni de mort. Celui qui, se, qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché au milieu de son peuple. Au verset 15, il dit, on travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Ça, c'est Israël que mon Dieu a parlé ensemble avec lui. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Israël a été observé le sabbat. Lorsque dit « peuple Israël ensemble avec la lui, c'est peuple qui est présent dans un en moment, ensemble avec tout ce monde qui prend naissance dans la nation. Il dit, il doit observer le sabbat comme une alliance perpétuelle. Ça veut dire, Israël n'est plus capable d'observer le sabbat pendant toute la ville sous terre. Une alliance perpétuelle. Là on dit perpétuel, c'est un bagage qui est indéfini. Vous devez observer le sabbat pendant toute la vie yo sous terre. Dans le verset 17, il dit, ce Se sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Israël, il y a observé ça à perpétuité. Donc, pas gagné un temps, il y a l'observer, temps pour ne pas observer, mais il a pour observer à perpétuité. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son ouvrage et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse, sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tablettes du témoignage, table de pierre écrite du droit de Dieu. Dix commandements, il était sous deux tablettes. moïse Dieu finit parler avec Moïse. Et puis il va remettre Moïse tablette yo pour Moïse capable d'enseigner dix commandements à la nation d'Israël. Donc, en gros, le sabbat, c'est pas l'affaire des chrétiens. Le sabbat, ce n'est pas un bagage que nous-mêmes nous, nous devons observer en tant que chrétiens, mais c'est un enseignement que Israël doit recevoir et c'est Israël qui doit observer le sabbat. Parce que c'est Israël que mon Dieu a sorti ensemble avec lui en Égypte dans la maison servitude, dans l'esclavage, côté Israël lui-même a été lui trouvé. Maintenant, nous allons essayer de garder 10 commandements ensemble avec vous parce que. Ça arrive à des gens qui ne pas pour un petit temps pour regarder 10 commandements. Exode chapitre 20 après retourner là-dedans encore. Quatre premiers commandements, c'est ça qui a rapport entre Israël avec Bon Dieu. Mais six derniers commandements, c'est ça qui a rapport entre Israël ensemble avec Israël, entre monde avec monde, parmi eux. C'est donc quatre premiers, c'est la relation Israël avec Bon Dieu. Et six autres commandements, c'est relation avec ensemble avec le monde, en nation d'Israël. On regarde le premier commandement. Dans verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, devant moi. Cette adoration exclusive est à Dieu. Bon Dieu demande à Israël que l'idoué, lui-même seule adoration, ne doit pas adorer l'autre Dieu. Israël ne pour pas l'adorer aucune autre image taillée.

dimanche passé nous t'ai parlé concernant un peuple cananéen comme ont des idolâtres comme ont eu un pile faux dieu qui était en Canaan et Dieu prince suprême cananéen il les elle c'est même elle il même nous ensemble avec Dieu par nous qui les elle aussi qui est plus elle c'est Elohim en hébreu maintenant Dieu suprême en en canané les elle elle te madame qui les Achera ça, c'est la mythologie, la culture. Ce n'est pas Dieu qui existe physiquement comme il y un mais dans la mythologie, dans la croyance, il y a un ensemble de divinités. Donc, elle, c'est la divinité suprême, principale. Elle a gagné, Madame Niki, c'est Ashera, c'est Madame Niki, et ce qui 70 petits ensemble avec Madame Niki. Il a faux Dieu, il a 70 petits avec Madame Niki. Et dans 70 petits vidéos, nous ne nous contentons pas les deux. Nous ne parlons par exemple, de Baal, qui est le premier biscuit, et Anat, qui est la deuxième visite. Anat, c'est à la fois madame et sœur Baal. Et lorsque l'esprit Anat rentre dans le monde, les Baou mais la caou. ils ont un esprit d'inceste. Ils ont un esprit d'inceste. L'inceste, c'est la relation entre proches parents. Il fait papa qui désire pour petite, petite qui désire pour maman, sœur qui désire pour frère, etc. Parce que c'est exactement ça que vous fait en tant que faux Dieu. Ni Baal, ni Ada, c'est petite elle ensemble avec Acher. Mais pourtant, il y a aussi madame et Marie, et y frères frère et soeur en même temps. Donc, Lorsque vous avez un faux esprit, ça qui, qui, qui imprégne mon nom bien, qui rentre dans l'esprit mon automatiquement, il y a un mauvais esprit qui est l'esprit le d'inceste. Donc, mon, il y a intéressé, famille, proches, parents, intéressé, il y a un avec l'autre. Donc, chaque ça, c'est un esprit d'inceste qui l'accueille mon parce qu'il y a envie, il désir pour proches parents, il y désir pour famille. Donc, bon, Dieu demande à Israël pour ne pas interdit. Tout le monde jouait en Canaan. Raison, c'est parce que bon Dieu pas de voulait que les influencer Israël de façon négative. Maintenant, puisque Canadé a l'adoration, il faut Dieu, tout ça, gen la été de -di la Dieu. -di -di Maintenant, bon Dieu demande à Israël pour être capable de détruire tout le pour que les pas influencer Israël. Est-ce que Israël obéi à la parole de Dieu? Non. Israël n'a pas obéi. Israël tu commencé à faire travail là vraiment, Tu a à tuer gens dans le pays. Hein, mais finalement, il a quitté là. Et très tôt dans l'histoire Israël en Canaan, il a commencé à influencer Israël. Ça fait Israël a à tomber dans l'idolâtrie lui-même tout. Et bon Dieu, a pris contre Israël parce qu'Israël est rentré dans sacrée idolâtrie. Bon Dieu, a horreur de sacrée idolâtrie. Bon Dieu, a ça crée l'idolâtrie. Si vous va dit que manger, vous n'avez plus de c'est que c'est idolâtrie. Donc, bon Dieu, pas nous, qui crée ce ciel-là, ensemble avec toi, à nous quitter, et vous nous adorer un faux Dieu, qui vient ne pas qu'à e -e sentir, qui pas zéro, qui un pied, qui vient marcher. Donc, nous ne sommes pas capables de rentrer dans l'adoration faux Dieu. Donc, premier commandement, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est l'adoration exclusive à Dieu et à Dieu seul. Dans Jacques chapitre 4, le verset 4. Après, Jacques, quand tu parlé avec Christian l'église, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'ennemi, alors l'ami du monde, est l'inimitié contre Dieu. Donc, l'idée adultère, ce n'est pas dans le sens que relation fille avec garçon, mais il y a des prostitutions avec l'autre divinité. Puisque Jésus-Christ est épouse-là, c'est épouse que nous gagnons, euh, c'est époux que nous gagnons. Donc, si nous allons cotroyer l'autre divinité, automatiquement nous mené en vie d'adultère spirituelle, spirituelle. Et ça fait Jacques traité chrétien, ils ont adultère que Est-ce que ne connaissent pas lorsque aux mis le monde, automatiquement yo ennemi ennemis, mon Dieu Tu n'auras pas d'autre Dieu devant face. C'est premier commandement. Le deuxième commandement que mon Dieu débat Israël, il dit tu ne feras pas d'image taillée, Interdiction des idoles. Il y a des gens qui mettent ils ont juste une image d'un chambre Juste une image d'un chambre à Je ne sais pas yo. vous adorez, mais il y a des gens qui mettent une image dans la l'accueil. Yo, c'est un objet d'adoration lié. Il y a des gens qui entrent dans l'église mais qui ne pas quand même qui représentent un objet d'adoration pour lui. Un idole pour lui. question que je me pose, c'est qui représente un idole dans la vie? Yo? An, si vous estimez des qui représente un idole dans la vie, comment c'est détaché ensemble avec lui? commencer à divorcer avec ça qui représentait un idole pour eux, même si c'est vrai ou pas Israël. Mais bon, Dieu a idolatrie, l'idolâtrie. pour ne pas faire image taillée. On n'a parlé avec un catholique. Catholique, là, a dit que un saint, on met dans l'église catholique, là, même prêtre, là, pas d'accord, mon vieux mettre à genoux devant nous pour pour adorer. Dans certaines églises, bien entendu donc si moi je dis le ça que mais si le prêtre n'a pas d'accord, mon vient mettre à genoux le pied pour adorer mais pour que ça le prêtre la mette dans l'église là le prêtre n'a pas l'obligé de mettre dans l'église là parce qu'il connaît quand même la croyance mon dieu c'est sous ça et où il y a fixé c'est sous cinq au campe qui est mon qui passe le le garder cinq il fait il fait si de la a on un petit film un petit vidéo quand on, 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 on assure un morceau qui habille en saint et puis le campe et puis chaque monde qui venait lire il mettait un pied, il levait sont... friends... des le pied il était en, 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 oui. en, en, en ballon, on a vu et j'ai regardé on a saisi, malgré mon a me mes dans le pied il connaît pas qu'à auto, il n'a pas le droit d'être en non, parce qu'il n'y pas monde comment il a fait de pied pour être en ballon il a saisi et il a l'allée. après ça on l'a vu encore il a signé la croix et il a lu mon ballon il mettait encore, il s'est le pied il était là, Mon a saisi le gars il a vu l'allée. parce qu'il n'y a pas qu'à imaginer Commencez, hein? faites une cap, capacité pour l'éteindre non Et pourtant, a une capacité pour le délivrer dans sa Il hein? n'y a pas adoré. Donc, ça veut dire, donc, il connaît, c'est en objet, son image d'aïe liée. Mais yo prend comme un objet d'adoration, il adore quand même. Maintenant, je me souviens qu'en catholique, dans l'église catholique, c'est l'imbé ou bien plaisance. Prête, là, retirer toute image d'aïe et mette dehors. Donc, ça, c'est un monde qui commence et avait changé, il a changé, changer dans tête il a changé, il a retiré toute image qui est dans l'église là. Troisième commandement qui vient rapport entre Israël et bon Dieu, il dit, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. C'est le respect pour le nom de Dieu. Respect pour le nom de Dieu. En tant que chrétien, nous devons respecter nos bons De respecter nos bons Nous ne pouvons pas parler de bons n'importe comment. Donc, tout le bagaille n'a pas été à bouche, nou, non. nouvelle de nom de Dieu, c'est respect. C'est chapeau bas. Nous ne pouvons pas prendre nom de bon Dieu en vain. Nous ne pouvons pas faire mentir sur le nom de Dieu. Nous ne pouvons pas faire mentir sur le nom de Dieu. Donc, nous le pouvons prendre nom bon Dieu en vain. Nous devons avoir un respect exclusif pour le nom de Dieu. Respect exclusif pour le nom de Dieu. Quatrième et dernier commandement qui traduit les relations Israël ensemble avec bon Dieu, c'est souviens-toi du jour du sabbat. C'est le respect pour le jour de repos. Souviens-toi du jour du sabbat. Respect exclusif pour le jour de repos. Dieu travaille six jours et le septième jour, il s'est reposé. Donc, il doit y avoir un respect pour le jour du sabbat. Et ça, bon Dieu m'en dit avec Israël. Et si Israël vient pour le capable observer le sabbat comme étant le quatrième commandement, il dit, souviens-toi, du jour du sabbat. Respect excusez pour le jour du sabbat. Mais Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 12, verset 8, la Bible dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. C'est-à-dire, puisque lui c'est maître sabbat, il a fait des ouvrages pendant le jour du sabbat. Parce que lui c'est maître sabbat. Et nous prenons le répit devant. Uh, 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 probablement semaine prochaine, comment les choses vont changer avec la venue de Jésus-Christ. Elles vont changer pour nous avec la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le maître du sabbat et il a de sabbat dans l'église adventiste, par exemple. Il pas qu'à observer sabbat. L'église adventiste n'a pas qu'à observer sabbat. raison fait laquelle pas qu'à observer sabbat, Ne pas dire que il pas qu'à croire en Jésus. Je ne dis pas que pas bon chrétien, mais observer la loi, c'est impossible. Parce que la Bible dit, même si vous observez neuf commandements, vous péchez contre un seul, vous péchez contre tout. Et sabbat est strict en Israël. Dans la question d'observation, Saba est strict. Par exemple, il parlait du chemin de sabbat. Le chemin de sabbat. On regarde dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1 verset 12. Avec des apôtres, chapitre 1 verset 12, côté fait mention du chemin de sabbat, et puis pour nous capables, ensemble avec vous, qui sa chemin Sabah aillé avant nous remettre. Avec des apôtres, chapitre 1 le verset 12. Ok, dans verset 12, Lizi, alors, il dit alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Distance d'un chemin de sabbat. Distance d'un chemin de sabbat, c'est distance qu'un juif de parcourir pour aller dans le synagogue -là, le jour du repos qui est samedi qu'il observé sabbat. C'est distance qu'il est autorisé à marcher. Il n'est pas autorisé à marcher en distance qui dépasse la longueur sa, que nous prenons le barou, t'as le ça il a pas autorisé de marcher dans un chemin qui est plus long. Yo un chemin de sabbat, c'est une limite de sabbat. Yo limite de sabbat. C'est un concept en biblique qui fait référence à la distance maximale que les Juifs ont parcouru pour yo aller adorer dans yo synagogue. Il n'y a pas de droit de marcher dans une distance qui pique longue que ça. Automatiquement, yo a violé sabbat. Automatiquement, marcher dans une distance qui pique longue vous avez violé ça. La tradition rabbinique établit que limite ça l'ité environ 2000 coudées. 2000 coudées. Unité de mesure, ça, c'est une unité de mesure que vous utilisez dans la Bible. Dans l'ancien temps, on essaie de rapprocher le nous. Égal environ 1000 mètres. 1000 mètres. 1000 mètres, bah, nous avons une idée de 2000 mètres. Par exemple, et la longueur de pantalon, c'est 1 mètre. Si vous avez un poche arrivé à terre, c'est 1 mètre qui est égal à 100 cm. Donc, lorsque vous prenez 100 cm, vous mettez an, 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 10 fois, 10 fois ça va bailler 1000. 10 fois ça va à 1000. Ça, vous mettez 10 fois ça va baille 1000. C'est distance, ça, vous êtes obligé de parcourir pour que vous un capable de marcher est le chemin de sa barre. Ou bien, 3280 pieds. 3280 pieds. C'est des distances que je ne veux pas pour pouvoir vivre dans la synagogue pour aller adorer, etc. Mais ça soit basé sur le campement israélien. Iscaeli, tu là, dans le désert. Lorsqu'on finit de traverser la mer Rouge, il y a marché pour arriver en Canaan. Il y a été de la mer Rouge à Canaan. Dans combien de temps, dans 40 jours À cause d'Israël, de des péchés péché contre Bon Dieu. Ils ont fait parcours ça en 40 ans. Chaque jour, ils viennent une année, en 40 ans. Et ça fait l'importance que, pour nous comprendre, relationnons avec Bon Dieu, pour nous capables parce que ça arrive Bon Dieu prolonger. tant pour nous réussir à les prolonger, jusqu'à ce presque mourir Et puis, c'est là que ça peut-être qu réussi. Mais on pas jamais réussi même. Donc, si la relation n'est pas normale, ensemble avec le bon Dieu. Donc, maintenant, le chemin de Sabbat, c'était seulement 1000 mètres que un juif devait parcourir comme limite pour sortir de la caille, pour y aller dans un endroit où il l'adorer. Je me en Haïti, il un Adventiste qui était à qui a conduit à pour aller à la ville, à l'église, un samedi matin. Est-ce que ce n'est pas violation de Sabbat? C'est violation. Parce que vous n'avez pas courir parcourir pendant tout le temps ça. Et la Bible dit vous n'avez pas de faire aucune œuvre, aucune ouvrage. Conduire machine dans même son travail. Parce que vous avez un conduire et vous avez un travail. Son travail. énergie à dépenser lorsque vous avez Donc vous n'avez pas de conduire dans le qu jour même. mais toute choses sont la pour vous reposer. Chaudière à la pour de reposer. Toute les choses reposer. Donc même manger pour faire pour manger dans le samedi, c'est le vendredi pour préparer avant ou sa sabbat. Mais c'est travail juif, ce n'est pas travail pas nous en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas tenus à observer le sabbat. Le sabbat, c'est pour les juifs. Parce que les dix commandements que bon Dieu t'a baillé, c'était à Israël. Il t'a baillé dans l'Exode chapitre 20, verset 1er. Il dit à Israël, moi, baou dix commandements ça parce que c'est moi qui t'ai sorti ensemble avec vous en Égypte dans la maison de servitude. Donc nous ne sommes pas tenus à observer le sabbat, mais le sabbat, c'est pour les juifs, c'est juifs yo. Qui est capable d'observer le sabbat. Maintenant, comment le sabbat instauré même? Comment le sabbat était instauré? Exode chapitre 16, versets 23 à 36. Exode chapitre 16, verset 23 à 36. Et nous regardons comment le sabbat était instauré pour les enfants d'Israël. Exode chapitre 16, verset 23 jusqu'au verset 36. Notez que ça, il parle de l'instauration du sabbat, sa signification spéciale dans le cadre de l'alliance avec Israël. Dans le cadre de l'alliance avec Israël. Dans le verset 23, il dit, et Moïse leur dit, et Moïse parlait avec la nation d'Israël, il dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos. Le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Il le laissera jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infectant. Et il en est si mis point de verre. Moïse a dit mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du repos. Aujourd'hui, vous en trouverez, vous n'en trouverez point dans la campagne. Vous trouverez point dans la campagne. Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, qui est le jour le, le sabbat, il n'y aura point. Le septième jour, quelques uns qui du peuple sortirent pour en amasser, en ramasser, et ils en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au sixième jour, au sixième jour de la nourriture. Place et que personne ne sorte du, milieu, du lieu où il est le septième jour. rien doit marcher, sur ce côté l'Orient, dans le septième jour. Dans le verset 30, ans, il dit, et le peuple se reposa le septième jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de Man. Ça, c'était dans le désert. Le peuple d'Israël a nourriture ça, le nom de Man. Elle ressemblait à la graines de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Ça, c'est une description, baï de la manne. C'est qu'il y a un peu le monde qui est capable de se réfléchir. Qui ça, la manne n'était réellement que mon Israël dans le désert. Il y a des gens qui ont des graines de coriandre, qui ont des coriandre, blanches, mais qui avaient le goût d'un gâteau de miel. miel. Donc, assurément, la manne n'était vraiment goût. Parce que vous avez fait un pilap manger, mais vous n'avez pas de jambe rébitée, vous pas de jambe refusé, pour vous manger. Au verset 32, il dit Moïse dit voici ce que l'Éternel a ordonné. Et qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants. Afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse a dit à Aaron, prends un vase, mets y de la manne, plein un homère, et déposez-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Aaron le déposa devant le témoignage, le témoignage, afin qu'il soit... Conservé. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans. Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité, ils mangeaient la manne. Jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan, le est la dixième partie de l'EFA. Ça, c'est information que vous Israël te prend plus le temps, 40 ans pour manger maintenant. Et c'est bon Dieu même qui te bat Israël maintenant pour te manger pendant tant que ça, ça a fait dans le désert là. Et ça a été un bon goût dans le bouche, Il n'y pas jamais refusé. Il n'y pas de jamais eu de problème avec lui parce qu'il était conservé dans l'état normal et il était capable de même consommer maintenant. n'a fini parce que M. Oguel est arrivé. n'a fini parce que M. Oguel est en prêt. Donc, Ok. Ah, ah, ah. Nous parlons du Torah. Le Torah, c'est si la loi en hébreu. Torah, c'est si la loi en hébreu. Et les, dix les cinq premiers livres de la Bible, c'est le Torah. La loi. La loi, le Torah. Le Torah, c'est la loi que bon Dieu te bâille à Moïse. Les dix commandements. Il te à Moïse. Et maintenant, selon Exode chapitre 16, verset 29, Juvia te doit rester dans la maison, la caillot le jour de sabbat, puis ne pas de sortie, ou bien, pas quitter limite ça, que nous autres fait mention de l'île environ 100 mètres, 1000 mètres, que vous devez marcher, puis te river dans la distance que de devez l'adorer. Limite ça, été destiné pour trois choses, pour trois bagailles. Premièrement, c'est préserver le repos du sabbat. Bon, Dieu débat limite là pour pou planter préserver repos sabbat, pour être respecter. pour Deuxièmement, c'est éviter les activités consacrées et considérées comme travail. Tout ce qui est considéré comme un travail, le peuple doit éviter le jour sabbat. Alors, Adventiste, il fait un pile le travail. Il conduit pour aller à l'église, il a fait des activités, etc. Il y a un pile d'histoire qui parlait concernant eux même Donc, pourtant, il pas tenu à observer le sabbat. Parce que vous n'êtes pas juif, vous êtes haïtien, vous êtes l'autre nation, vous êtes américain, vous n'êtes pas juif, vous va pas observer le sabbat. Le sabbat est par Israël. Troisièmement, c'est maintenir la sanctité du jour du sabbat. Israël de maintenir la sanctité, la c'est sanctifier le jour du sabbat. Vous devez sanctifier le jour du sabbat, j'ai demandé. Maintenant, quelle activité vous avez fait pendant le jour du sabbat? Ça? Premièrement, c'est marcher. En, 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 il n'y a pas de marcher dans une distance qui dépasse 400 coudées que nous sommes là ou bien 1000 mètres que nous sommes là. Il n'y a pas de marcher dans une distance qui dépasse. Il n'y a pas de porter un objet non plus. Si vous porte un objet, c'est un travail que vous -ce que vous dit, un dit, à faire. Et c'est nous, sommes j'ai un nègre, Jésus-Christ est guéri, il a dit pour un aller, pour un lever aller. Les nègres, ont rencontré ils ont rencontré ensemble avec negla avec natli nan mel yo font gros tole baga bagay la parce nan jou sabbat negla pa gno a pote rien nan mel mais negla gonn nat nan mel la pote pou si ne kote o te guerir lan assurément pou l'aller retrouver la famille pa la kay yo font gros tole avec ça la bible même dit depuis nan moment ça y a cherché occasion favorable pou livrer jésus christ pour le capable de mourir parce qu'il a fait des miracles dans le jour de sabbat et Jésus-Christ même a des, 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 des illustrations pour dire est-ce qu'il y a un monde qui a un bête qui est dans le code dans le jour sabbat, et puis pour quitter bête là, mourir dans le code là, parce que c'est le jour sabbat Maintenant, Jésus-Christ dit, on a fait bien dans le jour sabbat, bien qu'il était juif. Il a pensé juif, yo, mais il dit, on a fait bien pendant le jour de sabbat. Donc, on ne peut pas apporter rien dans le jour sabbat. Et troisième élément, c'est faire des affaires. On ne peut pas acheter pendant le jour du sabbat. Il n'y a pas de faire affaire pendant le jour du sabbat. Donc, il est important ce que nous, nous comprenions que le sabbat, c'est pour les juifs, c'est pas pour les haïtiens, c'est pas pour les américains, etc. Et grande différence entre juifs et païens Grande différence. Païen différence c'est tout le monde qui n'est pas juif. Nous sommes des païens. Nous sommes pas des juifs, nous sommes des païens. Je ne sais pas si je à païens. Ce n'est pas un sens que le qu'on a dit pas un ou, ou pas chrétien, non. Mais puisque vous n'êtes pas juif, vous c'est pas un. Païen, c'est contraire à juif. C'est tout le monde qui n'est pas juif, vous n'êtes pas un. Parce que vous êtes une nation païenne. C'est seulement la nation d'Israël qui est nation juive. Et c'est seulement la nation d'Israël que bon Dieu choisit, comme un peuple choisi. Et tout ça, bon Dieu a fait pour l'autre nation, il fait en fonction d'Israël. Nous, nous avons ensemble avec vous. Jésus-Christ, à que Jésus a plusieurs reprises dans l'évangile, quatre évangiles, à plusieurs reprises dans quatre évangiles, Jésus-Christ fait des, des, des activités qui ont un rapport avec les juifs. Dans Matthieu chapitre 10, verset 4, 5, 6, 7, il a ordonné Israël et ses disciples pour aller dans l'évangélisation. Il a commissionné. Qui ça dit? Ils mettent interdiction pour aller, pour parler, de la Kaye Païen. Ils disent, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est en a raison il fait un pile théologien. Ils admettent que Jésus-Christ était venu pour les, pour les juifs. D'accord? Ils mettent interdiction pour parler, de la Kaye Païen. Ils interdiction pour parler, de la Kaye Samaritain. Mais il dit, ils ordonnent, puis sont vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Et ensuite, dans Jean chapitre 1 Jésus-Christ dit, il est venu chez les siens. Les siens, c'est qui est-ce Jésus-Christ, c'est Juif, il était. Il était venu là qu'à Juif, Juif pas recevoir Les siens de l'Empereur aussi. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, pote, ça porte sa main pour nous les païens, parce que les juifs, ont refusé Jésus-Christ. Ils ont refusé. Donc, automatiquement, les juifs ont refusé. Mais il y a une possibilité à tout le monde qui est là pour rentrer dans le plan de Dieu. Mais ce n'est pas seulement saleté, non? Dans le plan rédempteur de Dieu, qui fait depuis Genèse 3,15, qui est théologie le théologien, le pot évangile, c'est la première annonce. De la venue de Jésus-Christ. À partir de là, il y plan rédemption qui est fait pour l'humanité. Et lorsqu'elle dit plan rédemption rédemption fait pour l'humanité, c'est sans exclusion. Il, il, il n'était pas question de juifs et de païens, le plan rédempteur de Dieu. Il n'était pas question de juifs et de païens, mais c'était un plan globalité pour l'humanité entière. Mais avec le temps, ils ont vu mettre en restriction. Dans le plan, Christ venu pour les juifs parce qu'il était juif. Mais le fait qu'il venu pour les juifs, il pas recevoir. Et selon que jusqu présent, les jusqu'à présent, Messie, tu pour venir, pour que je venus. Il y a tant de messieurs à toujours. Mais nous prenons pour nous faire une étude sur l'escatologie. Mais c'est dans le moment de grande tribulation, c'est là que nous prenons finalement, recevoir, accepter Jésus-Christ comme sauveur. Parce que l'Église est enlevée déjà. Et les juifs, ils ont été dans la grande tribulation il laisse à l'opéra le « vraiment », mais si on te venu, il laisse à l'opéra prendre une résolution, pour accepter Christ comme sauveur. Vous. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas jamais accepté que Messie qui était venu, il est venu déjà. Maintenant, le « qui est arrivé, Vous on seule la question, on se la question. Oui. 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 Oh, ok. <laughs> ok. Bonjour. Nous avons élaborer plus sur la question de Parce que nous allons rentrer dans l'adoration. Ça fait que nous adorons le premier jour. Nous avons bien pour nous capable capables de développer plus de questions de ensemble avec vous. <laughs> ok. Il avons eu un peu après. Nous avons eu un peu après. Mais c'est le premier jour, deuxième jour, troisième jour que tu as gagné. Jésus-Christ c'était le premier jour de la semaine. D'accord? Il y a parlé de jour sabbat, c'est le septième jour, etc. Mais on ne pas auparavant. C'est avec le temps que vous non. Bon Dieu béni, non? Nous sommes déjà bonne adoration dans le Seigneur.